Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de choisir BF1. Un plaisir de vous retrouver. On vous dit mille fois merci pour votre fidélité à nos programmes. Enfin, un clin d'œil à vous qui êtes connectés via Internet à travers la page Facebook de l'émission, également sur le canal 251 partout dans le monde. Merci à vous pour la fidélité. Alors, nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure de votre émission. Vivre ensemble, comme vous le savez déjà, vivre ensemble, c'est toujours avec un conseiller. Et le conseiller qui va nous accompagner ce soir, c'est Monsieur Jean Bosco Caboret. Il est conseiller conjugal, médiateur familial, psychologue, thérapeute. Monsieur Caboret, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, le mot amour, largement utilisé dans notre langage, l'un des sentiments les plus importants que les êtres humains éprouvent et qui correspond à l'engagement qui est ressenti pour une autre personne. L'amour, tel un jardin qui a besoin d'être arrosé au quotidien. Il faut en prendre soin pour que les fleurs continuent bien sûr de fleurir. Alors, la nécessité d'apprendre à aimer, est-ce que cela vous parle? Eh bien, c'est le thème de ce soir. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 55 minutes d'échange avec plaisir. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, Monsieur Caboret, le thème de ce soir, c'est la nécessité d'apprendre à aimer. Expliquez-nous un peu ce thème. Alors, on peut dire que ce que je peux retenir qui est très profond, c'est le mot apprendre. Voilà. On apprend toujours à connaître, à comprendre pour mieux accepter toutes choses. Et si on dit que la nécessité d'apprendre à aimer, alors on peut dire que la vie trouve son sens que par l'amour. Voilà. Elle trouve son sens quand nous cherchons à apprendre à aimer. À aimer pour que cet amour impacte les parcelles de notre dimension. C'est très important parce que notre vie commence quand nous acceptons vivre dans la loi de l'amour. L'amour a une loi. Et quand on rentre dans la dimension de l'amour, Mais pourquoi il est nécessaire d'apprendre à aimer? parce que nous venons dans un monde, nous venons au monde plutôt dans une étape d'ignorance, d'immaturité et d'inconscience. On vient avec des carences et nous sommes appelés à combler ces carences. Et pour combler ces carences, il faut apprendre petit à petit. Voilà, c'est la nature de l'homme, hein, d'apprendre toujours à comprendre, à connaître, à accepter. Et ce qu'il faut apprendre d'abord, c'est aimer. Parce que beaucoup de gens pensent que ça tombe du ciel. Non, il faut apprendre à aimer pour apprendre à donner. Il Donc, faut apprendre à apprendre aimer pour pour mieux apprendre apprendre à à donner. donner. D'accord. Et il faut apprendre à aimer pour mieux apprendre à vivre. Oui. Parce qu'il faut toujours apprendre. D'accord. Voilà. Mais où est-ce que nous devions commencer à apprendre cela? Est-ce que c'est depuis le bas âge avec les parents ou c'est après quand on est en couple? Ou encore est-ce parce que, ou encore est-ce quand on est avec les amis au travail, avec les collègues? Alors, je pense que nous commençons à aimer à l'état prénatal. L'étape prénatale, À c'est-à-dire l'état qu'on n'est même pas prénatal, encore né oui. depuis le ventre de maman. Nous sommes initiés à l'état prénatal. La manière dont les parents vont transmettre, vont communiquer avec des émotions, des sentiments, ça permet, ça prédispose l'enfant d'abord une façon d'aimer. Étant à l'état prénatal, l'enfant reçoit l'initiation
première de l'amour. Parce que la maman communique avec l'enfant avec ses émotions. Si ses émotions sont positives, si elle est radieuse, elle est affectueuse, elle transmet cela à l'enfant. Et l'enfant sort déjà avec une base qui va construire sa dimension psychique et tout son être. Donc, l'éducation commence d'abord à l'état prénatal. Alors, on apprend à aimer à l'état prénatal. Ça, c'est la première étape. À l'enfance, voilà, ce que nous allons vivre avec les autres, ce que les parents vont transmettre, ce que notre environnement va nous donner, va orienter le type d'amour que nous devrons vivre. Ça veut dire que l'amour des parents influence également l'amour des enfants. Bien sûr, nous reproduisons le monde de l'amour que nous avons vécu pour construire notre histoire, pour construire notre vie. C'est ce que nous avons reçu qui nous donne un repère, qui nous donne un sens. Donc, chacun vit l'amour selon la conception de l'amour qu'il a reçu de son environnement. Mais vous dites que l'amour, c'est depuis l'étape prénatale. C'est-à-dire que maman est enceinte, donc le bébé ressent des choses. Donc, en ce moment, comment une mère peut donner de l'amour à un fœtus? Est-ce qu'il y a des astuces pour que l'enfant sente l'amour? L'être humain vit avec des émotions et des sentiments. Alors, c'est notre dimension psychique. Ce sont nos émotions, ce que nous pensons, qui met en position des émotions. Et c'est pour ça que la maman rentre en communion et en communication avec l'enfant à travers des émotions. Si elle est de bonne humeur, le fœtus sera de bonne humeur. Les études ont démontré qu'après 3 à 4 mois de grossesse, l'enfant a la capacité de ressentir émotionnellement ce que la maman ressent. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a des enfants, devenir adulte ou bien devenir à l'état, à l'enfance, ont des traumatismes psychiques. Et quand on fait une thérapie d'accompagnement et on découvre que, par exemple, maman qui pleure beaucoup, qui pleurait beaucoup quand elle était enceinte ou bien elle est battue, cette tristesse, cette amertume, cette déception, elle avait besoin d'être consolée. Elle a communiqué cela avec son enfant. Et l'enfant sort souvent aussi avec des séquelles. Beaucoup d'enfants sont sortis avec des séquelles parce qu'ils n'ont pas été initiés à un amour authentique. Maman n'était pas de bonne humeur. Maman était constamment triste, désespérée, désemparée. Elle a même regretté d'avoir porté la grossesse. Et ça a infecté le fœtus. Et quand ça s'infecte, l'enfant peut sortir avec des organes qui vont nous révéler des organes qui ne sont pas normaux. Donc tout ça, ça révèle à tel point que quelque chose ne s'est pas passé, ne s'est bien passé. Souvent, on sent que l'enfant sort avec des malformations. L'amour est le sens de la vie. D'accord, mais un fœtus qui a vécu tout cela, est-ce que la maman peut se rattraper après la naissance? Alors, rattraper, oui. Nous avons la possibilité. Le passé n'a pas de pouvoir sur nous. Ce que nous décidons de penser aujourd'hui, de faire et de dire, définit ce que nous serons demain, après-demain. Elle peut se rattraper, se réconcilier avec elle-même. Mais l'enfant qui sort doit aussi peut-être faire un travail personnel pour pouvoir se reconstruire. Et en ce moment, quel est le rôle de papa également? Puisque ce n'est pas parce que maman porte la grossesse qu'elle doit être la seule à donner de l'amour à son fœtus, à son futur bébé. Quel est le rôle du papa quand madame est enceinte?
Je crois que le rôle d'abord, c'est que comme le père est protecteur, il a pour rôle de protéger, de donner une assurance et de la sécurité affective à la femme. Voilà, pour que la femme se sente comprise, acceptée, écoutée, valorisée. Pour que le taux de rire et de sourire ne manque pas à la femme. C'est très important parce qu'il faut reconnaître que psychologiquement, la femme incarne l'amour et l'homme incarne la loi. La loi et l'amour hein, en synergie qui donne maintenant, voilà, qui permet à l'enfant de recevoir une éducation proportionnelle. D'accord. Mais le père, ça veut dire qu'une femme qui est enceinte a besoin, hein, elle vit une expérience particulière qui fait que la dose d'affection qu'elle réclame est particulière, est spécifique. Elle a besoin qu'on le rejoigne dans son contexte, dans ce qu'elle est en train de vivre de formidable. Pendant ces 9 mois, elle demande à ce qu'on accepte ses caprices. Voilà. Elle demande à ce qu'on puisse comprendre qu'elle porte la vie pour pouvoir mieux donner la vie. Il faut qu'elle reçoive une dose d'assurance et de sécurité d'amour. D'accord, sécurité d'amour. Donc, il faut beaucoup d'amour à ce moment-là pour que l'enfant puisse bien grandir et également avoir également beaucoup d'amour en lui pour pouvoir également partager autour de lui. Mais M. Kabore, à quel moment on peut dire que l'on vit la loi de l'amour? Quand nous commençons à nous accepter et à nous tolérer nous-mêmes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'accepter eux-mêmes. Hein? Il faut s'accepter. Quand quelqu'un commence à dire « je m'accepte tel que je suis, je m'accepte, je vais accepter les aléas quotidiens hein, et je ne veux plus laisser les événements extérieurs venir déstabiliser mon être intérieur. » Voilà. Quelqu'un qui… c'est une façon d'accepter de vivre l'amour. Parce que… quand nous rentrons dans une dimension d'expérience de la vie et nous touchons du doigt des frustrations, des blessures, et souvent nous perdons de repères. Mais pourquoi souvent il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accepter? Oui, parce que deux ou trois choses, on ne les a pas. C'est l'éducation. Ils ont vécu dans un environnement. Quand vous avez, si vous avez vécu dans un milieu avec des personnes hostiles, pleines d'anxiété, d'amertume, vous allez reproduire ce monde de votre environnement. Voilà. Et nous prenons ce que nous avons reçu pour construire notre vie. Donc, il y a des gens ou des personnes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer des personnes matures. Ils ont rencontré des personnes immatures, inconscientes et ignorantes. Et ces personnes les ont transmis cela. Et ce que la personne, ce qu'il a reçu, cela devient sa réalité et sa vérité. Et il construit sa conviction de vie à partir de ce qu'il a reçu. Et il est dans une coquille. Et il ne fait que défendre son moi. Moi, moi. Il ne sait pas qu'il marche avec une fausse conviction. D'accord. Monsieur Kabore, est-ce qu'il y a des règles pour apprendre à aimer? Parce qu'on entend certains dire « je n'arrive pas à aimer, je ne sais pas aimer, je ne sais pas donner de l'amour. » Et en retour, quand on m'aime, je n'arrive pas à accepter. Est-ce qu'il y a des règles pour cela? Alors, l'amour authentique, mature et responsable a des repères. Je ne dirais pas des règles, mais des repères. D'accord. Alors, la capacité d'avoir des pensées positives prédispose déjà que nous pouvons rentrer dans la dimension de l'amour authentique. La première règle d'abord, c'est ça. Positiver ta vie et voir toujours le bon côté, toujours, c'est ça. Parce que si vous n'avez pas
de la pensée positive, c'est très difficile. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Les musulmans prient beaucoup, les chrétiens, beaucoup prient. Mais celui qui a une pensée positive est proche de Dieu plus que celui qui prie, mais qui n'a pas de pensée positive. La règle de l'amour, d'abord, c'est avoir une pensée positive. Ce que nous pensons, on le devient. Voilà. Voilà. Si vous pensez que vous êtes formidable, tôt ou tard, vous deviendrez formidable. Mm-hmm. Parce que vous attirez cette loi de la nature de venir habiter en vous. Voilà. Ce ne sont pas les événements qui contrôlent. Ce n'est pas le comportement de ton mari qui déstabilise ton être intérieur, mais ta manière d'interpréter les choses. Nous avons toujours du mal à mal interpréter. Donc, la vraie règle d'abord, hein, d'abord c'est ça. Mm-hmm. La deuxième, quand on dit par exemple le repère, c'est dans la simplicité de la vie. L'amour est simple. L'amour n'a pas besoin d'être coloré par le moi ou par des principes. L'amour, c'est du charme, de la tendresse. Voilà, c'est donner à quelque chose qui est gratuit. Ce n'est pas conditionné. Quand quelqu'un vous impose que si tu m'aimes, fais ci, fais ça, ce n'est pas de l'amour. Donc l'amour, on n'impose pas. L'amour, on n'impose pas. Mm-hmm. L'amour, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Beaucoup veulent expérimenter l'amour, la joie de la récompense. Alors qu'il faut expérimenter la joie de donner. Mm-hmm. C'est quand on donne qu'on doit expérimenter la vraie joie authentique de l'amour. Mais beaucoup de gens disent que, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je fais ci, je fais ça. En retour, qu'est-ce que tu m'as donné? Ouais, c'est conditionné. Mm-hmm. La personne a besoin de cet amour conditionné pour combler les carences de son histoire. Ce n'est pas un amour authentique. Voilà. C'est ça que j'ai toujours dit ici. On ne se marie pas pour devenir heureux. On se marie parce qu'on est heureux d'abord. Voilà. Si vous n'êtes pas heureux seul, ce n'est pas en étant avec quelqu'un que vous serez heureux. D'accord. Voilà. Mais M. Kabouré, parlant d'amour, certains vous diront que de toutes les façons, l'amour n'existe pas. L'amour authentique, n'existe plus. Alors pourquoi on va parler là de nécessité d'apprendre à aimer? Ce n'est pas la peine pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, quelqu'un qui dit que l'amour authentique n'existe pas, je peux comprendre cette personne. Mais en regardant cette personne, en admirant cette personne est déjà un amour authentique. La personne qui dit que l'amour authentique n'existe pas, lui-même, il porte les germes de l'amour authentique. C'est cet amour authentique qui lui permet de s'exprimer librement et de dire ce qu'il a envie de dire. S'il n'y avait pas l'amour authentique, mature et responsable, tu n'en as même pas pensé dire que l'amour n'existe pas. Bon, c'est peut-être un peu philosophique, mais il faut comprendre que chaque être humain porte les germes de l'amour authentique. Mais celui qui dit que ça n'existe pas, il faut le comprendre. Il n'a pas encore expérimenté, il a peut-être été blessé dans son histoire. Mais quels sont les facteurs plus qui poussent ces derniers à parler ainsi, à ne pas croire en l'amour? Ne plus croire en l'amour veut dire qu'on a installé des mécanismes de défense. Nous avons été blessés par l'amour. En voulant chercher l'amour, on a été blessé. En voulant vivre dans l'amour, on a été blessé. Mais ce que nous oublions, c'est qu'on est toujours blessé par les personnes que nous aimons le plus et par les personnes qui sont proches de nous. Il faut accepter ça. On est toujours blessé par l'amour. J'ai écouté un évêque qui a dit une chose dans son livre. L'église que j'ai aimée m'a blessé. L'église que j'ai aimée m'a traumatisé. L'église que j'ai aimée m'a humilié. Mais l'église que j'ai aimée
m'a aussi montré le chemin de la sanctification. Oui, on est toujours blessé par les personnes que nous aimons le plus. Si vous n'acceptez pas cette loi de l'amour, vous ne pouvez pas expérimenter l'authenticité. L'amour est paradoxal. Mm-hmm. Voilà. L'amour, c'est nous-mêmes, c'est toi-même. Au moment où tu es en train de te plaindre, c'est parce que la soif d'amour te manque que tu es en train de te plaindre. Le fait que tu ne crois pas à l'amour, c'est parce qu'il y a l'amour qui est en toi qui fait que tu ne crois pas à l'amour. D'accord. Alors, M. Kabouré, est-ce qu'il y a différentes facettes de l'amour? Est-ce que l'amour, c'est la passion? Est-ce que l'amour, c'est l'euphorie? Ou encore, est-ce qu'on vit l'amour avec sagesse? Alors, quand vous dites passion, euphorie, alors, quand la passion et l'euphorie s'installent, ça veut dire que l'amour est sorti de son contexte réel. C'est l'amour du moi. Moi. Beaucoup de gens se marient pour une relation, pour vivre dans le moi et non de vivre dans le nous. Ouais, voilà. Si c'est le nous me pousse à reconnaître que celui qui est en face de moi me révèle que mon pouvoir est limité et il est là comme un don de Dieu qui m'interpelle que voilà, je suis là pour sa maturation. Je suis limité. L'amour, c'est cette communion. C'est cette communion d'échange. L'amour, c'est cette capacité, ce désir de vouloir transmettre quelque chose de joie, de paix, hein, de profond. Donc, l'amour, ce n'est pas de la passion. Non, l'amour, ce n'est pas de l'euphorie hein, qu'on ne contrôle pas. Mais l'amour peut être accompagné par du plaisir. Vous dites qu'on ne contrôle pas. Pourtant, certains, on aime entendre dire « je suis tellement amoureux que je n'arrive pas à me contrôler ». Alors, tomber amoureux, on n'arrive plus à se contrôler, oui. On fait beaucoup de choses. Oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'on dit, pour ne pas dire des choses et puis s'enfermer. Tomber amoureux ne veut pas dire qu'on aime quelqu'un. Comment cela, M. Kabouré? Mais quand on tombe amoureux ou amoureuse, c'est parce qu'on aime quelqu'un. Non, tomber amoureux, c'est comme une fillette de 10 ans ou 9 ans qui vient de voir ses premières règles. Mm-hmm. Voir ses premières règles à 10 ans, mon corps annonce que je peux porter une vie, mais je ne peux pas devenir une femme. Mm-hmm. Je ne peux pas devenir une épouse. Mais mon corps annonce que je peux porter la vie. C'est un don, c'est une grâce d'avoir ses premières règles à 10 ans. Beaucoup, c'est à 14, 15 ans. C'est une grâce. Tomber amoureux veut dire que, voilà, quelque chose annonce que je peux apprendre à aimer, mais ça ne veut pas dire que j'aime. Vous comprenez? Je peux apprendre à aimer. Ça ne veut pas dire que celui que j'éprouve des émotions très fortes, ça ne veut pas dire que c'est cette personne. Mais cela veut dire que je peux apprendre à aimer. Voilà. C'est comme si vous êtes fatigué, épuisé, et que vous sentez des maux de tête. On dit, ah, ça c'est les symptômes qui indiquent que tu es fatigué. C'est pour ça que tu as des maux de tête. Mm-hmm. Donc, tomber amoureux veut dire que, ah, ça indique que c'est une bonne chose qui annonce, qui veut dire, tu peux apprendre à aimer. Ça ne veut pas dire que tu aimes déjà. D'accord. Tu dois apprendre à aimer. Donc, tomber amoureux ne veut pas dire qu'on aime quelqu'un. Beaucoup de gens se trompent, c'est normal parce que avec les télénovelas, voilà, et quand on voit des scènes, on pose la question, est-ce que tu es amoureux? Et l'autre dit oui, alors mariez-vous. On ne se marie pas quand on est tombé amoureux. Voilà. Et l'amour, on se marie parce qu'on a un projet de vie affective, projet de vie spirituelle, projet de vie professionnelle. Projet de vie, de pardon, projet de vie pour avoir des enfants. Il faut avoir un projet ou des projets de vie.
tomber amoureux ou bien s'aimer ne suffit pas de contracter le mariage. Mais Monsieur Kabore, voilà. Est-ce que certains ne seront pas découragés ce soir parce que je me présente face à mon petit ami, je dis je suis amoureuse de toi. Vu ce qui vient d'être dit sur ce plateau, est-ce qu'il ne va pas commencer à se poser des questions, à savoir tu es amoureuse de moi, mais est-ce que tu m'aimes réellement? Bon, moi, je relate les choses pour cadrer, mm-hmm. pour que les jeunes sachent que quand on tombe amoureux, premièrement, l'émotion qu'on ressent est souvent très forte. On ne contrôle plus ses émotions. Donc, est-ce à dire que c'est plus réel quand on est marié? Mais ce n'est pas très réel quand on est petit ami, copain, copine. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui manque quand les jeunes parlent tomber amoureux. C'est un amour du moi. Tomber amoureux ne veut même pas dire qu'on aime quelqu'un, comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'en toi, tu es comme un miroir que je me regarde. Et je t'aime parce que tu es belle. Tu es charmante, tu te comportes bien, et tu as une qualité. Et à travers cette qualité, ça déclenche en moi une sensibilité. Et je commence à penser à toi. Et quand je te regarde, ça déclenche en moi du charme à l'intérieur. Ça me paralyse. Je pense beaucoup à toi. Ça ne veut pas dire que je t'aime. Ça veut dire qu'à partir de tes qualités, je suis en train d'apprendre à m'aimer moi-même. Mais ça ne veut pas dire que je t'aime. Mais à quel moment on peut parler de je t'aime, tu m'aimes? Okay. À quel moment on peut parler de ça? C'est une très bonne question. Alors, l'amour, ça ne se parle pas, ça se vit. Ça ne se parle pas, ça se vit. On n'a pas besoin de trop parler quand on aime. Ça ne se parle pas, ça D'accord. se vit. Et l'amour est le fruit de l'amitié authentique. S'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, il n'y a pas d'amour, l'amour n'existe pas. L'amour est le fruit de l'amitié. Et l'amitié a des ingrédients. Et les ingrédients de l'amitié qui vont donner naissance à l'amour. Par exemple, premier ingrédient de l'amitié, c'est une écoute attentive. Quelqu'un qui m'écoute, non pas pour me répondre, mais pour comprendre mes besoins, mes attentes et mes aspirations profondes. Voilà le premier ingrédient de l'amitié. Quelqu'un qui m'écoute pour comprendre. Deuxièmement, c'est le respect. Ah, on a cultivé, on a développé le respect. Quelqu'un qui me respecte parce que je suis digne de respect. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui respectent quelqu'un ou l'autre parce qu'ils se comportent bien avec eux. Le respect, ce n'est pas un sentiment. Non, le respect, c'est un ordre de vie, parce que l'homme est digne de respect. On n'a jamais arrêté un pompe funèbre pour demander voir, pour d'abord installer le protocole de respect et d'honneur. On va vérifier, voir est-ce qu'il a bien vécu. Tout être est digne de respect. Ce n'est pas parce que ton mari se comporte mal avec toi ou ta femme se comporte mal avec toi que tu le manques de respect. Quelqu'un qui manque de respect parce que l'autre, c'est de l'immaturité, de l'inconscience, de l'ignorance. Toute personne est digne de respect. Tu dois critiquer mon attitude, mais pas ma conscience morale. Toute personne est digne de respect. Même les personnes qui ont commis des crimes, regardez, ils méritent un procès. Tout être humain à une dignité qu'on ne doit pas toucher. D'accord. Mais M. Kabore, est-ce à dire que dans la vie de couple, quand il n'y a pas de respect, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour? Il n'y a même pas de repère. C'est comme si vous êtes dans une... Quand il n'y a pas de respect, c'est comme si vous êtes dans une voiture et il n'y a pas de tableau de bord. Vous ne savez pas si l'essence va finir ou pas. Vous n'avez pas de tableau de bord. Vous imaginez un chauffeur sans tableau de bord. Tu roules avec quoi? Inquiétude. Méfiance, doute, peur, psychose, anxiété, amertume. Beaucoup de couples marchent comme ça. Parce que le respect est une force. Et le respect donne naissance à la compréhension. Et la compréhension donne naissance à l'acceptation. Et l'acceptation donne naissance à la considération. Voilà les cinq ingrédients de l'amitié qui vont donner naissance maintenant quoi? À l'amour. Mais l'amour qui est possessif, captatif,
veut dire qu'il y a l'absence de l'amitié. L'amitié vient régler les choses, stabiliser. Ça te permet de contrôler tes émotions. Je ne t'aime pas plus que moi-même. Il y a des gens qui rentrent la nuit, qui aiment, qui pensent beaucoup à quelqu'un plus qu'eux-mêmes. Mm-hmm. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est quoi? C'est de l'euphorie, de la sensation. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Passer toute une nuit à penser à... À penser, oui. Pour quelque chose de spécifique, oui. Mais tout le monde traverse cette étape. L'adolescence, c'est l'étape d'initiation. Donc, on a besoin de s'affirmer. Donc, on ne contrôle plus ses émotions. Mais il faut lui faire comprendre que c'est une étape d'initiation. Mais ça ne veut pas dire que c'est une histoire d'amour que tu es en train de vivre. Du genre, depuis que je t'ai rencontré, je n'arrive pas à dormir. Non. Depuis que je t'ai rencontré, je n'arrive pas à bien travailler. Par exemple, ça. Voilà. Je n'arrive pas à dormir. Tu occupes mes pensées. Oui, c'est du mensonge. Ce n'est pas le fait que tu as rencontré l'autre qui n'arrive pas. Le problème, c'est la manière dont tu interprètes qui t'empêche de dormir. D'accord. Ouais. À quelque part, c'est comme si on se positionne en victime. Voilà. C'est comme si je n'aurais pas dû te rencontrer pour pouvoir bien dormir. Ouais, ouais. C'est pour dire que c'est une étape de l'euphorie. Mm-hmm. Mais cette étape d'euphorie veut dire que tu peux apprendre à aimer. Mais il ne faut pas croire que tu aimes. D'accord. L'euphorie finit. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés dans l'euphorie. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils sont liés par l'habitude d'être ensemble, mais pas parce qu'ils ont construit de l'amitié ou de l'amour. Ah, on a fait sept ans ensemble, on a fini, donc on va terminer ce qu'on a commencé. Oui. Donc, ça manque de maturité. Et beaucoup de couples traversent des crises, des difficultés, parce qu'ils n'ont pas un projet de vie affective. Ils n'ont pas un projet de vie spirituelle. Ils n'ont pas un projet de vie, de recherche de communion. On a un projet ensemble. On a une conviction ensemble. On n'a pas de projet. Alors, c'est triste quand tu... Beaucoup que... Quand eux, ils aiment, on ne doit pas les contredire. On ne doit pas les contester. Alors, tu ne dois pas faire quelque chose qui n'est pas bien. Mm-hmm. Aimer, c'est accepter que l'autre soit différent de nous. D'accord. Mais M. Kabouré, vous dites que l'amour n'est pas passionnel, l'amour n'est pas euphorie. Est-ce à dire que dans la vie de couple, quand l'amour est passionnel, il n'y a pas de longévité? Bon, moi j'aime toujours qu'on définit toujours les termes. Parce que pour quand ne pas s'enfermer. Passionnement, parce qu'il y a également l'amour passionnel. Il n'y a pas de l'amour passionnel. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas durer? Non, il n'y a pas de l'amour passionnel. Mm-hmm. Non. Peut-être qu'on va coller le mot amour. L'amour, ce n'est pas passion. L'amour, ce n'est pas qu'on prend sur quelqu'un. L'amour, c'est quand on donne à quelqu'un. Mm-hmm. On ne part pas prendre de l'amour. On part donner de l'amour pour construire de l'amour. Et en ce moment maintenant, on donne toujours de l'amour. On ne prend pas sur quelqu'un. Mm-hmm. On donne de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Beaucoup de gens qui ont cru que c'est de l'amour, après 25 ans, 30 ans, 40 ans, décédés, voilà, ils ont demandé à se séparer ou à divorcer. D'accord. Monsieur Kabouré, nous sommes à 30 minutes de l'émission. Nous allons donner le numéro de téléphone pour les appels. Okay. Et on revient pour la suite. Mais voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez maintenant participer à l'émission en composant le 25 37 62 90. 25 37 62 90, c'est le numéro de téléphone pour participer à l'émission. Alors, Monsieur Kabouré. Accepter les défis et les conflits de couple, est-ce une manière d'apprendre à aimer? Accepter les défis et les conflits dans le couple, est-ce une manière d'apprendre à aimer? Bien sûr, quand on accepte, ça veut dire qu'on accepte, ça veut dire que accepter d'abord, ça veut dire qu'on cherche à tirer une leçon et un enseignement face à chaque épreuve, à chaque difficulté. C'est des fruits de l'amour. C'est l'amour qui nous pousse. L'amour, ce n'est pas seulement voir le bon côté. L'amour aussi, c'est programmer qu'il y aura des mauvais moments. Mais souvent, quand il y a conflit, on dit « mon mari ne m'aime plus ». Voilà, tout le temps, on se chamaille, on se dispute. Je sens que l'amour est fini.
je ne sais plus quoi faire. Donc, quand on s'aime normalement, il ne doit pas avoir de conflit. Alors, quel que soit, je vais encore peut-être vous contrarier, quel que soit le degré d'amour, de compatibilité, de rapprochement entre un homme et une femme, il y aura des instants que leur amour, leur relation vont s'affronter. Il est déconseillé d'avoir une relation, être dans un couple, il n'y a pas de dispute. Il est déconseillé de vivre sans conflit. Parce que je suis une personne qui a ma vision de voir les choses. Tu as ta vision de voir les choses. Donc, il faut une communion. Il faut... Le conflit n'est pas une destruction. Le conflit nous aide à prendre conscience que nous avons sauté quelque chose. Le conflit nous aide à prendre conscience que nous sommes à une étape de crise transitoire pour avancer aussi. D'accord, nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Allô? Oui, allô? Oui, on vous entend faiblement. Je ne sais pas si c'est la tête. Oh là là. Sinon, moi, je vous entends parfaitement. Hein. Ok, allez-y. Oui, j'ai trois questions pour le tonton sur le plateau. Trois questions? Oh oui. Ok, allez-y rapidement alors. Ma première question, c'est de savoir comment savoir que son partenaire vraiment t'aime sincèrement. Quels sont les signes qui peuvent te permettre de savoir que ton partenaire t'aime sincèrement? Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième question, comment savoir qu'une relation peut durer éternellement, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous sépare? D'accord. Et la troisième question, c'est de savoir si, quels sont les signes qui peuvent te permettre de savoir qu'au cas où vous avez un petit conflit ou une dispute entre toi et ta conjointe ou ton conjoint, quels sont les signes qui peuvent te permettre de savoir que non, cette personne-là peut te pardonner aussi rapidement, que ce soit la cause de la dispute? D'accord. Voilà, c'est les trois questions dont j'ai pour le tonton. D'accord, merci beaucoup à vous. Il voulait savoir les signes, comment savoir qu'on est aimé. Voilà, en face de nous, notre conjoint, conjointe, est-ce que les signes pour savoir si on est aimé et aussi comment savoir que ça va nous conduire jusqu'à la mort. Voilà, d'accord. Et aussi la troisième question, c'est par rapport au pardon. Voilà, pour les conflits, comment se pardonner alors, et tout. Alors, je vais essayer de répondre rapidement à la première question. Mm-hmm. Alors, l'amour, c'est ce que nous produisons. Nous devrons nous baser sur ce que nous possédons. Nous ne devrons pas compter sur ce que l'autre nous donne. Je ne vais pas rentrer dans sa question, mais je veux qu'on essaie de reformer les choses. D'accord. Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as donné? Si tu n'as pas... Donc, tu dois te baser de ce que tu donnes pour te dire que ce que je possède, c'est un signe d'amour. Et c'est ça que tu dois compter. Tu ne dois pas vouloir regarder ce que l'autre va te donner. Mais quand tu vas apporter, maintenant, l'autre, vous allez travailler en synergie. Ce que vous allez pouvoir construire à deux, vous faites votre évaluation avec le temps au fur et à mesure. C'est cela qui vous rassure. Ce n'est pas ce que l'autre donne qui rassure. C'est ce que vous deux, vous vous êtes entendus pour pouvoir construire. Parce que c'est un projet qu'on a. Voilà, c'est ce que vous deux vous avez mis en place qui devient un repère pour toi et tu dois baser sur ça pour voir est-ce que ce que l'autre a apporté et ce que moi j'ai apporté va pouvoir me conduire. D'accord. C'est un signe. D'accord. Voilà. Et maintenant, comment savoir que ça va nous conduire jusqu'à la mort? C'est toujours la même question. Hein, c'est toujours la même réponse. Alors, ce n'est pas l'autre qui nous donne quelque chose qui conduit jusqu'à la mort. Ce qui nous conduit jusqu'à la mort est le fruit de ce que nous deux, on a construit. Voilà. Donc, il n'y a pas que quelque chose qu'il faut dire, bon, l'autre, du moment où tu attends quelque chose de l'autre, l'autre aussi attend quelque chose de toi. Donc, les signes d'abord,
c'est la compréhension. D'accord. Et pour finir, le pardon, c'est-à-dire quand il y a conflit dans le couple. Le pardon est l'âme de l'amour. Le pardon est l'âme de la relation. Alors, quand pardonner, c'est comme on l'appelle asphésie, qui veut dire se libérer. Mais il faut faire la différence entre pardonner et réconcilier. Alors, se pardonner veut dire je me libère de ce sentiment de culpabilité. Je ne tiens plus rigueur. Je fais basta. Je laisse passer. Je ne veux plus me venger. Mais je vais prendre du temps pour pouvoir apprendre de nouveau à me réconcilier avec toi pour pouvoir installer un nouveau projet de vie. D'accord. Voilà. Monsieur Kabouré, est-ce qu'on peut s'efforcer à aimer? S'efforcer à aimer quelqu'un? Souvent, on a en face de soi une personne qui ressent quelque chose, qui nous aime. Voilà, qui est vraiment gentil, qui a toutes les qualités possibles, mais on n'arrive pas à donner de l'amour en retour. Mais est-ce qu'on peut quand même s'efforcer à aimer dans ce contexte? Parler de s'efforcer sort du contexte de l'amour. L'amour, c'est, je dis, c'est cette simplicité. On peut dire genre, je vais essayer quand même de l'aimer pour voir ce que ça va donner. Non. Il faut se dire que il y a, je pense que j'avais déjà dit ça, il faut te dire que c'est l'amour, c'est ce que je possède, c'est moi qui donne. Alors, c'est ça que je dis, on ne se marie pas pour devenir. Alors, on se marie parce qu'on a de l'amour pour donner. Est-ce que tu as quelque chose pour donner? Il faut te baser de ce que tu as. Ce que tu as là, est-ce que ça te donne la paix? Ça te donne la joie? Est-ce que tu as confiance en toi? Tu as une assurance en toi? Tu as l'estime de toi-même? Voilà. C'est ce que tu possèdes que tu prends pour rentrer en relation avec l'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un et tu ne peux pas te forcer pour aimer quelqu'un. Non, ce n'est pas de l'amour. D'accord. Voilà. L'amour, c'est quelque chose de naturel et de simple. Voilà, deux personnes se rencontrent et à travers les échanges, ils constatent qu'il y a une concordance, une complémentarité. Voilà, il y a du respect, il y a de l'acceptation et voilà, un projet est né et on a envie de faire route ensemble. Donc c'est bien clair, on ne force pas en amour. On ne force pas, voilà, on accepte librement les choses. Voilà. Mais beaucoup ont forcé parce qu'il y a eu un faux départ. Beaucoup ont eu un amour possessif. Beaucoup sont rentrés en croyant que voilà, j'ai cru à ce qu'il m'a dit, voilà, au début il était ainsi, il était comme ça, et maintenant il a changé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souvent reconnaître qu'il y a eu un faux départ, ou il y a eu de l'euphorie, beaucoup d'euphorie, et qu'il n'y a pas eu les ingrédients de l'amitié authentique qui a été comme un tableau de bord, un repère pour nous. Parce que s'il n'y a pas de l'amitié entre un homme et une femme, leur amour, comme je dis, ce sera un amour possessif, ce sera un amour conditionné, ce sera un amour captatif. Alors qu'il faut installer ce qu'on appelle l'amour oblatif. L'amour oblatif, ça veut dire quoi? L'amour où je m'offre, je m'ouvre et je me donne. D'accord. Parce que j'aime donner. J'aime m'ouvrir. Il y a plus de joie en moi à donner que de recevoir. C'est ça l'amour. D'accord. La joie de donner, mais pas la joie d'être récompensé. Voilà. Pas la joie de la récompense, mais la joie de donner. Et j'éprouve la joie quand je donne. J'éprouve la joie quand je vois que ce que je fais porte du fruit. Et je suis content. C'est pas l'autre qui me donne la joie. C'est ça je dis. Si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, sachez que vous ne devrez même pas vous marier. D'accord. Pour dire, vous n'êtes même pas prêt pour vous marier. On ne se marie pas pour se nourrir des qualités de l'autre. Après, tu vas en vouloir l'autre. Tu vas en vouloir l'autre. On se marie parce qu'on a quelque chose en nous. Donc, si déjà, vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne vous acceptez pas, si déjà, vous n'êtes pas réconcilié avec votre histoire,
Pierre t'a quitté, Pauline t'a quitté, et tu as gardé ces frustrations, ces blessures, et tu veux te marier à Pauline, à Jacques, pour pouvoir te consoler. C'est un faux départ. Tu n'es pas prêt et tu ne dois pas te marier pour pouvoir fuir le poids de ton passé. Si toi-même, tu n'as pas la paix du cœur, tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas, dis-toi que tu ne dois pas te marier et tu n'es pas prêt pour contracter le mariage. D'accord. On se marie parce qu'on a la joie de donner. On ne se marie pas pour aller se nourrir des qualités de l'autre. Donc, beaucoup, c'est pour ça que beaucoup de gens existent ensemble, mais ils n'ont pas une vie ensemble. Et quand vous existez et que vous n'avez pas de vie, vous devenez mari et femme et vous ne devenez pas époux et épouse. Et quand vous mettez au monde des enfants, vous restez père et mère. Vous ne devenez pas papa et maman. D'accord. Voilà. Et parlant des enfants, la place de l'amour entre parents-enfants. Alors, les parents, c'est, ils ont ce devoir de déposer, de raisonner les enfants dans leur petitesse. Les enfants ont besoin de deux choses. Mm-hmm. À un certain moment, les enfants ont besoin d'écouter. D'écouter ce que papa et maman racontent tous les jours. Ce que papa est en train de dire, ce que maman est en train de dire. Ils ont besoin d'écouter. Il faut répéter plusieurs fois. Mais il y a des moments où les enfants n'ont pas besoin d'écouter, d'entendre. Ils ont besoin de regarder pour voir. Mais quand le moment de regarder pour pouvoir assimiler arrive et que ce qu'ils regardent, c'est des disputes. C'est des incompréhensions entre papa et maman. L'enfant grandit incomplet. Devenu adulte, il reproduit le monde de son histoire. Il y avait un jeune garçon qui frappait une petite fillette là. Mm-hmm. Voilà, et on lui a demandé, mais pourquoi la fille t'a fait quoi? Pourquoi tu l'es en train de frapper une fillette de 7 ans, 8 ans? Et lui-même, il n'avait que 10 ans, 12 ans. Il a dit, mais une femme, il faut battre, il faut frapper. On dit, ah bon? Ben, mon papa a dit ça. Mbaba, il a été pareil à Narbo. Voilà, donc, maintenant, Narbo. Oui? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Psychologiquement, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas mauvais. Si vous enregistrez la musique de Floby dans la musique de Floby, est-ce que vous voulez que cette musique devienne la musique de Des Altino? Il a enregistré quelque chose dans son subconscient, dans son logiciel mental. Le moment arrivé qu'il reproduit cela, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas mauvais. Il reproduit le monde de son histoire. Donc, si tu n'as pas appris à aimer, va d'abord apprendre à aimer. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes souffrent parce qu'ils croyaient que ce qu'ils possédaient, c'était de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. Voilà pourquoi le divorce a atteint une proportion aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas se marier parce qu'ils n'ont pas le niveau. Je prends un exemple. Imaginez quelqu'un qui vient d'avoir son BPC. Mm-hmm. Il se lève avec son BPC pour aller postuler un niveau de master. Est-ce que c'est ton niveau? Il y a des gens qui n'ont pas le niveau de se marier parce qu'ils n'ont pas l'amour du mariage. Mais ils ont l'amour pour cohabiter avec quelqu'un. Mais ils n'ont pas l'amour pour vivre une vie avec quelqu'un. Mais pour cohabiter, pour avoir une relation de jouissance, de sensation, d'euphorie. Mais ils n'ont pas l'amour de la vie. Ils ont l'amour du plaisir. D'accord. Donc, il faut reconnaître voilà, là où nous sommes et apprendre à se remettre en question. Mm-hmm. D'accord. Monsieur Kabouré, on entend également dire que l'amour, c'est de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quand on dit l'amour, c'est de l'art, c'est la sagesse. Quoi. Quand on dit l'amour, c'est de l'art, c'est parce qu'il y a la sagesse. Mm-hmm. L'art veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre du temps. Hein? Ça veut dire que quelque chose qui est de l'art, ça veut dire qu'il y a l'intelligence qui travaille. Mm-hmm. Voilà. Hein? Il y a des gens qui sont intellectuellement posés, mais ils ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui ont rempli la tête, qui vont réussir dans la vie et échouer leur propre vie. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas appris l'art d'aimer. Hein? Quand on parle de l'art d'aimer, c'est cette... chercher à connaître la loi de l'amour, accepter la loi de l'amour, ça veut dire que vivre l'amour dans la simplicité,
dans la douceur, surtout dans la tendresse. D'accord. Voilà. Monsieur Kabouré, il nous reste juste une minute. On va partir rapidement pour les conseils. Alors, je voulais dire une chose. Acceptez humblement à vous remettre en cause. Il faut se poser la question. Est-ce que je n'exagère pas tous les jours? Chaque jour, je me plains. Pourquoi je me plains? Parce que moi-même, j'ai soif d'amour. C'est pour ça que je me plains. Moi-même, je ne m'aime pas. Si je commence à m'aimer moi-même, mon estime de soi, ma confiance en moi-même va revenir. Beaucoup de gens font le transfert de leur manque d'amour pour pouvoir agresser les autres. Est-ce que je n'exagère pas? Deuxièmement, est-ce que je n'en fais pas de trop? Voilà ce que je voulais seulement que ceux-là qui nous écoutent se posent cette question et disent à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à regarder mon mari, ma femme, comme une bonne nouvelle. Voilà. Ma femme est une bonne nouvelle. Ma femme a des problèmes, mais sa personne n'est pas un problème. Mon mari a des défauts, des comportements que je n'aime pas, mais sa personne n'est pas un défaut. Donc, il faut voir que derrière l'action de l'autre qui nous blesse, c'est peut-être aussi qu'il a eu un cœur blessé. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kabouré. Merci. Mais voilà, chers téléspectateurs, pour joindre à Monsieur Kabouré, vous composez le 70 11 20 70. 70 11 20 70, c'est le numéro de Monsieur Kabouré. Et on va se quitter avec cette belle citation de Maxime Ducamp. Je cite, « Il ne suffit pas d'aimer, il faut savoir aimer ». Et c'est la plus difficile de toutes les sciences. Sur ce, bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir et à la semaine prochaine.